Allez, un petit peu de sérieux maintenant. Je vous propose d'aller retrouver celles et ceux qui participent à la vie du vélo en ville. Alors suivez-moi. Hey, bouge de là, toi. J'utilise le véhicule principalement pour aller en cours. Ouais. Donc l'avantage du véhicule, c'est que dans un premier temps, on n'a pas les bouchons de la voiture. On n'a pas les soucis des trams. Et l'avantage, c'est que on ne croise pas tout le monde le matin dans le tram et on n'a pas super chaud en arrivant. Donc c'est assez pratique, c'est super rapide, que ce soit dans les déplacements professionnels ou tout simplement pour sortir et rentrer quand il n'y a plus de tram ou autre. Et est-ce que tu as toujours un véhicule à disposition ou parfois il n'y a plus de vélo à la borne ou alors il y en a trop et tu peux pas le remettre? Ça arrive de temps en temps, il y a forcément des endroits où il n'y a pas de véhicule ou il y en a trop. L'avantage, c'est que sur Bordeaux, il y a pas mal de stations. Et tu fais combien de kilomètres environ pour aller à la fac ou à ton école? Je pense que je fais à peu près 4 km aller, 4 km retour. Donc ça se fait en 10-15 minutes. Du coup, sur l'aménagement dédié aux cyclistes, toi, tu le ressens comment, cet aménagement? Moi, j'habite sur les boulevards. C'est forcément des bouchons matin et soir. Une piste cyclable tout le long des boulevards. Donc, ouais, je gagne du temps, je gagne au moins une demi-heure. Et quand t'arrives en cours, avec un petit soleil comme on a aujourd'hui, là, est-ce que vraiment tu te sens trempé de la tête aux pieds ou c'est quand même ça va? Non, parce que déjà, c'est le matin, il fait meilleur déjà. Donc il fait pas des chaleurs comme ça. Et puis justement, on arrive avec un peu plus la patate parce qu'on a bougé, donc forcément, on est un peu plus en forme, quoi. Bah merci beaucoup, Eddy. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.